Voilà. C'est les râteaux que j'aime. Hein? Ça, c'est des râteaux. Oh là là! Ah oui! Ah oui! Ça a été un tir écrasé de Milongo. Ce garçon qui a commencé à jouer, je l'ai découvert dans un village qu'on appelle Kutukemon. Nous sommes dans le district de Madingokai. Très vivant ce garçon. Et déjà là-bas, au cours du tournoi, il a été très percutant. Et la pointe noire à l'Interclube, il n'a pas lésiné aujourd'hui. Il est avec ASP. Mouyabi. Oh, ce garçon Mouyabi, il n'a pas eu assez de chance en équipe nationale du Congo. Attention, attention, Diable Noir. Et le gardien de ASP peut donc s'en saisir du ballon. Ah oui, on se jette. Sur Chilimbu, on le sait très bien que. Attention, Maboto, au milieu du terrain. En tout cas, sur le plan. Jimbi, attention. Oh là là. Oh là là. La défense. Ah là là, il y a une grosse gourde alors. C'était spectaculaire. Un long ballon de Brice en attaque qui cherche. Voilà, attention Lemina. Lemina. Eh oui. C'est vrai, Lemina, c'est pas corner. Donc, à ce ballon. C'est rapidement joué. Attention, ce ballon est dangereux, oh là là. Tiens. Attention dans la défense. Mais ce garçon, il fait énormément de gourdes dans la défense de l'ASP. Attention, Lemina en attaque. Lemina. Et donc ce coup franc. Et rapidement joué, Yann Kombo. Bon ballon de Yann Kombo. Oh là là! Oh, Ngavuka! Ngafula! Alors que c'était avec son pied gauche, il allait envoyer. Oh, on n'a plus la race de joueurs. Comme celui-là qu'on appelait le dernier de la race, les Pierre Mavis. Le dernier Congolais à avoir inscrit un but en Coupe d'Afrique, vous vous souvenez, 192 et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais marqué, puisqu'on n'y participe même pas. Dans la surface de réparation, long ballon, attention, Djimbi Makai, Makai Djimbi, Yann Kombo,
Ah oui, il a joué à la touche. Ah oui. ASP, vous le savez bien, quand ce monsieur Brandaris n'est pas dans le match, ASP souffre énormément. Et on attendra peut-être l'arrivée de Itouan Dinga pour essayer de porter quelques chevauchées. Attention. Papi. Papi. Oh là là! Alors qu'il a fait un grand travail. Le football congolais en difficulté. Vraiment en difficulté. Ah oui, un tir complètement écrasé de Chilimbu. Un tir complètement écrasé. Petite poussette, l'arbitre n'a pas vu. Yann Kombo Melo, long ballon de Yann Kombo. Attention, ça peut faire mouche. Hors-jeu, voilà. Ajax Bemba, il faut le dire que le football congolais souffre énormément. Quand vous voyez jouer Diable Noir, ASP, ah bon, on n'a rien à mettre sous la dent jusqu'à maintenant. Attention, c'est pas fini. Oh là là! Oh, Lemina! L'un des meilleurs buteurs de ce championnat, il a failli créer l'irréparable dans le camp de Diable Noir. Bon, il faut le dire que le défenseur central, le Diable Noir, il souffre, il est convalescent. Mais vous savez, Vivien Luemba, il est blessé, il est fracturé à l'orteil droit et donc il ne peut pas prendre par... Oh, Lemina. Voilà donc Mouyabi pour Diable Noir. C'est récupéré. Hors jeu. Mabou. Attention. Voilà. Très belle intervention de le gardien SP. Long ballon. Lemina. Lemina, voilà. Il retrouve donc Chilimbu. Oh, Lemina, il lève. Il lève tous ses ballons, Lemina. Il a fallu, il a tenté en tout cas une enveloppée, mais ça n'a pas marché. Petite roulette de Chilimbu sur Lemina, mais ça n'a pas marché. Ajax Bemba, il faut dire que depuis quelques instants, nous avons une race de arbitres. Alors, cette race inquiète. Hier, on a vu... Étoile du Congo, patronage à Brazzaville, c'était incroyable. Incroyable ce que l'arbitre a fait. Il avait choisi son camp, il est passé au guichet, c'était grave. Et malgré qu'il a donné les pénalités à l'Étoile du Congo, le but n'arrivait pas. Le but n'arrivait pas. Voilà. Et voilà, l'autre comité de Diable Noir, il est là, ce chien qui est arrivé. Mais qui est quand même habillé en vert, on aperçoit vert ou jaune. Mais c'est ça donc. Et sur le terrain, c'est ce garçon qui a donc eu mal, Lossemi, le buteur de tout à l'heure. Il a été bien descendu.
Depuis on a le match est complètement mort, on ne sent plus. Et ces équipes, c'est comme si elles ont elles sont dépourvues des entraîneurs. On ne sent rien, pas des enchaînements, le jeu n'est pas rythmé. C'est la même vitesse, la même célérité depuis le début jusqu'à maintenant. Et voilà, il n'y a rien, on ne sent rien. Il manque de vivacité chez les joueurs. Ils se comportent tous comme des actionnaires. Attention, Milong. Oh, quelle chaleur! Va-t-il rattraper le ballon? Oui, il le rattrape. Il le rattrape. Oh là là, attention. Oh! Non, non. Non, il n'y a pas pénalty. Eh bien jugé par l'arbitre. Quel attaquant! Quel attaquant! Oh, ce garçon avait le ballon, il pouvait faire mieux. Aïe, ah, monsieur l'arbitre est gentil, il peut lui donner un carton pour simulation. Attention. Un corner. Ah, le semi. Effectivement, on l'appelle Sap Sap. C'est comme ça qu'on l'appelle à la colonie de Misafou. Sap Sap, c'est lui. Le numéro 10. Il est plein. Voilà la troisième situation. Ah oui. Donc ce coup franc de Chilimbu et on va siffler la mi-temps, j'espère. Chilimbu. Oh là là. Mais c'est un corner, monsieur l'arbitre. Oh, cet arbitre, à mon avis, n'est pas à la hauteur du match, il faut le dire, mon ami Donkaï. Il est poussiéreux ce soir et il doit avoir un homme. Ah oui, Mouyabi. Mouyabi s'est jeté sur la belle frappe de Chilimbu. Et il a donc envoyé au corner, mais l'arbitre n'a rien vu. C'est le seul blanc sur le terrain et pourtant l'arbitre, il devait avoir des mentalités un peu européanisées, mais vous le savez très bien, c'est la mi-temps. Voilà donc, mesdames, messieurs, amis sportifs, c'est donc sur 1-0 que nous rentrons, repartons au vestiaire. Oui, il faut le dire, monsieur l'arbitre, Diable Noir est complètement morte. L'équipe est complètement morte physiquement sur le terrain. Il y a beaucoup de problèmes physiques dans cette équipe de Diable Noir. Mais on espère que les 45 dernières minutes vont être très percutantes parce que du côté de ASP, il y a beaucoup de jokers. Du côté de Diable Noir, il y a aussi des jokers. On assistera donc à 45 ou 45 dernières minutes avec beaucoup d'élégance. Amis sportifs, après les citrons, on reviendra pour vivre donc ce moment très précieux. Voilà, retour donc au stade municipal de Pointe-Noire pour les 45 dernières minutes. Diable Noir qui mène au compteur 1-0, bien inscrit à la 1 minute 30 par ce monsieur, le numéro 12. On l'appelle Eric Niemba. Un buteur, c'est lui qui a cloué le club athlétique Renaissance Aiglon, Eric Niemba. Alors il faut le dire que l'arbitre bégaye un peu, il a beaucoup de difficultés. L'arbitre, c'est la première fois qu'il siffle sur une pelouse synthétique. Il peut être effrayé comme les joueurs. Notre confrère et cher arbitre qui vient de Caï, il a énormément de difficultés, ce monsieur. Il a la pression sur le gradin. Voilà. C'est donc Papy. Oh, à mon avis, c'est un ballon qui devait sortir aux 5 mètres 50 parce que le défenseur de Diable Noir a cogné sur. Alors qu'il va sortir. Ah, Aspect n'a pas apporté la solution. Donc,
Oh là là. Oh là là, Mouyabi. Il est très court, mais il a une bonne détente. Attention, ce monsieur. Ah oui, c'est parti. Voilà. Grosse intervention de ce monsieur. Avec un important long de cheveux. Ah oui, la passe à 10. Ah oui, la défense de Aspe est arrivée. Et ce garçon d'un tir croisé a failli créer l'irréparable. Et c'est donc le poteau qui a sauvé Aspe. Il n'est pas hors jeu. Petit filet. C'est le petit poteau. Et donc, alors Ajax Bemba, on paie sur le gradin comme ça. Dire que ce soir, il y a énormément d'argent et la commission qui s'occupe des finances va certainement s'emprunter des gants mous pour compter. Puisque ça s'annonce très bien, voilà comment le gradin. On nous dira encore 3 millions. On va nous dire 3 millions, on va nous dire 2 millions et demi. Le stade, on est autour de 11 000 spectateurs. En tout cas, si on peut prendre 100 francs le ticket d'entrée... Les clubs vont sortir gâtés ce soir, mais avec des rapaces, avec des gestionnaires qui ne sont là que pour l'argent, je pense que les clubs qui fournissent le spectacle n'auront pas assez d'argent. C'est toujours autour de 300 000. Attention, attention. Oh là là. Ah oui. Ah oui. C'est dangereux pour Diable Noir qui manque des occasions nettes de but comme ça. Et c'est rapidement récupéré. Brice, que va-t-il faire, Brice? Oh là là, attention, il va commettre une faute. Corner. À mon avis, Ngapula n'est pas en place. Et les Noirs et Jaunes en profitent pour appuyer sur l'accélérateur. C'est rapidement joué. Et attention, personne ne va à la couverture. C'est joué, non, récupéré par la défense. C'est Prince. Prince, que va-t-il faire, Prince? Voilà. Alors qu'il pouvait mieux faire, jouer le ballon, Prince. Voilà. Ah oui, nos clubs souffrent énormément de problèmes tactiques, énormément, il faut le dire. Non, il n'est pas hors jeu. Le but. Et voilà, une grosse erreur monumentale de la défense de l'ASP. Et c'est les tribunes qui sont en liesse. Une grosse erreur monumentale. Quelle défense. Allez, Eric Niemba, je vous le disais. Ce garçon devient très percutant, Eric Niemba. C'est vrai que sa qualification est un peu contestée. Et mais il est là, Eric Niemba, c'est l'homme du match. Il est là. Quel joueur. Quelle défense. Alors une défense de ASP qui bégaye. Qui joue en ligne. Voilà maintenant à quel moment. Très mauvais choix technique. Très mauvais choix tactique de l'équipe de ASP. 2 donc pour ASP. 0 pour Diable Noir. 2 pour Diable Noir, je veux le dire. Et... la formation d'ASP qui n'arrive pas à enchaîner est donc menée. Yann Combo pour l'exécution. Ça va être très difficile pour l'équipe de ASP. Voilà.
il y a beaucoup de soucis tactiques dans cette formation de Aspect. Soucis tactiques, oui, parce que le coach, toute la bande des entraîneurs qui sont sur le banc de touche de Aspect, personne ne comprend quelque chose sur le plan tactique, parce que on ne peut pas imaginer qu'il y ait une équipe qui a besoin de percussion, qu'on puisse pointer deux attaquants. Chilimbu donc sur l'exécution. Bondaris Mavungu Chilimbu. C'est lui qui va s'occuper donc de ce coup franc. Attention! Oh! Oh la gourde! Réduction de la balle! Oh là là! Oh Mouya! Alors, ça il faut dire que c'est l'axe central a complètement lâché. Et cet avant-centre! Et il a bondi! Et c'était donc le maître à jouer de Pointe-Noire du Congo, Brondaris Mavungu Chilimbu, qui d'un centre rentrant, donc a réussi à mettre ce ballon. Et oui, Chilimbu, c'est le meilleur joueur du Congo actuellement, il faut le dire. Et c'est ça les maîtres. Quand il ne joue pas, il peut apporter un but, ou encore il peut faire marquer. C'est ce que maître a fait. C'est rapidement joué. Oh là là! L'arbitre, non, oh là là, alors c'était Njimbi Makaya Landry, ancien sociétaire de GSK de la Hécheminau, et se le vrai patron de cette équipe de Diable Noir. Depuis qu'il est arrivé, ça marche bien, c'est remis, voilà, c'est récupéré, Prince, non, ah monsieur l'arbitre, c'est après, oh quel arbitre. Voilà donc Ajax du côté au Nigeria, Club 57, qui est parti pour son match retour. Les journalistes ont été abandonnés à Lagos avec les sacs comme de vrais idiots. Toute la presse confondue, abandonnée à Lagos. Il a donc failli que monsieur Lopande. Monsieur Lopande, qui a payé les billets aux journalistes, c'est malheureux, c'est triste. Les journalistes se sont retrouvés à Lagos, sans père, sans nation, sans ministre. Attention. Yann Melo. Voilà. Les Minas. Lemina! Quelle erreur défensive de Diable Noir! Quelle erreur défensive! Ah, oh, quelle explosion! Kiminu Missou! Kiminu Missou! Mais Jean Riffard, vous me prenez au pif au moment où il y a une véritable explosion. Sur ces images d'Ajax Bemba, vous le constatez. Une véritable explosion au stade municipal de Pointe-Noire, disais-je, puisque la SP vient de rétablir l'équilibre. Et je crois que ça doit pouvoir faire mal à la formation de Diable Noir. Nous le disions tout à l'heure avec Hervé Sakalamakoussou, que l'équipe de la SP avait fait une lecture tactique et technique de la défense de Diable Noir. Une défense qui accusait des lacunes. Et là, la SP a trouvé le chemin. Ça risque d'être dur pour la SP. La solidarité sportive du public porte les grands en faveur de la SP. Alors, Diable Noir vient d'être touché dans son amour. Vous savez que ça fait 5 matchs que Diable Noir gagne sur le score de 2-1. Ça commence à être une habitude, en tout cas une tradition. Mais ce soir, attention, c'est encore parti. Cet homme qui est venu pour faire mal à Diable Noir, que va-t-il faire? Il fixe la défense. Non, oh, il a dévissé. Encore dans la défense. Oh, oh Chilimbu. Quel extérieur du pied de Chilimbu. Oh, Ajax Bemba. Jean Ruffin, la défense de Diable Noir commence à prendre l'eau de tous les côtés. Il faudrait que Jean-Claude Kenzo, que je connais parfaitement bien, revoie le schéma défensif pour éviter en tout cas la catastrophe dans ce stade municipal de Pointe-Noire,
parce que l'ASP prend maintenant l'ascendant, ou l'ASP a pris l'ascendant, et l'ASP voulait faire la différence. Kiminumisu, oh, jamais un peuple, et c'est bien fait. Ça veut dire que le leader Diable Noir aujourd'hui a été donc rattrapé sur le terrain, s'est récupéré, rapidement joué, mais ce garçon, voilà, jolie roulette, voilà, il peut partir, rapidement joué sur Prince, Prince Nord. Il n'a pas levé la tête, il veut de compliquer le jeu comme ça là. Il y avait déjà supériorité. Et voilà donc février, ça ne nous étonne pas qu'il soit Diable Noir parce que c'est l'ami de Njimbi Makai. Ils ont fait toute la vie ensemble, ils sont passés partout à Bay, ils sont venus à Cheminot. Ah oui, un petit soutien en défense parce que... Mais le drapeau est levé, l'arbitre touche, ne le voit pas. Et il est fatigué.